La journée porte ouverte, c'est très intéressant parce qu'on rencontre des gens qui habitent dans, le plus souvent dans le quartier, qu'on ne connaît pas du tout, et qui ont un regard nouveau en fait sur notre travail. Et ils nous font rebondir en fait, parce qu'ils voient dans ce qu'on a fait autre chose que ce que nous, on y a mis. Et ça, c'est très enrichissant. Sujet de prédilection, la ville, l'urbain, que j'isole et ne traite d'une manière un peu abstraite, à l'acrylique et avec des techniques mixtes, un peu de pastel, de l'encre de Chine. Donc la recherche a surtout porté sur un travail pour utiliser l'acrylique de la même façon que l'aquarelle et essayer de trouver une légèreté, une instantanéité dans le rendu, dans le geste. Quelque chose qui est vraiment dur à faire. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui sait faire ça et lui, il arrive à le faire. Donc, ça m'a donné envie d'apprendre. Cette année, j'expose différentes œuvres. En fait, il y a donc ce lampadaire. Il y a également deux lampes que j'ai baptisées Crépuscule, à base de papier mâché et de bois. Et puis, il y a également des lustres suspension qui s'appellent Suspense et qui sont des lustres mobiles. Et c'est la deuxième année donc, que j'expose dans le cadre des portes ouvertes à Neuilly. Et je suis très content de cette initiative de la ville.